Hey la team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et vous avez vu, on va faire le point du côté de PlayStation parce qu'on a du nouveau du côté du PlayStation Plus. Alors quels sont les jeux gratuits du mois de juin et plus encore après justement une vidéo sur Xbox et le Xbox Game Pass, mais également les jeux gratuits dans le Gold? Et bien on va découvrir tout ça ensemble, c'est parti, let's go. On l'a appris très récemment, le premier jeu offert pour ce mois de juin sur PlayStation 4 est le très apprécié Call of Duty World War 2. Le titre sorti en novembre 2017 a signé le grand retour de la franchise à une époque historiquement plus ancienne, après des guerres majoritairement modernes puis encore futuristes dans Infinite Warfare. Eh bien, on est de retour pour une époque beaucoup plus ancienne. C'est développé par Sledgehammer Games et vous serez donc plongé au cœur de la Seconde Guerre mondiale à traverser toute l'Europe. Par ailleurs, le mode solo comme le multi valent grave le détour, donc si vous voulez tirer comme Rambo sur des Allemands, foncez. Alors évidemment les gars, cette phrase n'est pas à sortir de son contexte. Merci. On quitte la Terre pour notre second jeu offert et on va partir dans une galaxie lointaine, très lointaine, vraiment très, bref, en tout cas c'est archi loin. Comme vous l'avez vu, eh bien, on aura du Star Wars Battlefront 2, un titre signé DICE, Motive Studio et Criterion Games, et édité par Electronic Arts. Le jeu va vous plonger au cœur d'une campagne solo, se déroulant après le retour du Jedi, lorsque l'étoile de la mort explose. Vous allez y incarner Iden Versio, un soldat d'élite de l'Empire, qui souhaite tout simplement et tranquillement venger la mort de l'Empereur. Voilà, je savais pas qu'il fallait pas énerver autant que ça les Stormtroopers. Bien sûr, le multi est de retour avec de nouveaux modes de jeu, de nouvelles cartes et personnages iconiques de l'univers de Star Wars. Donc si ça vous branche, eh bien n'hésitez pas, promis, il y a moins de lootbox qu'avant. Enfin, je suis pas sûr, mais j'espère en tout cas. Alors ça, quasi personne le sait, mais le PS Plus, c'est aussi des contenus bonus en jeu exclusif, et comme vous le voyez, eh ben, y a pas mal de choses ce mois-ci. On y voit un pack de célébration spécial sur Fortnite, un pack de combat pour Warzone avec de nouvelles armes, de nouveaux packs pour Terra ou encore pour Paladin, de quoi vraiment vous intéresser si vous avez les jeux concernés. Ce qui m'amène aux dernières infos, les avatars. Parce que oui, chaque mois, sur le PS Plus, vous avez également des thèmes et des avatars gratuits compris dans votre abonnement. Et fais pas genre que tu le savais, je suis sûr qu'on est trois sur Terre à être au courant. La liste des nouveaux avatars s'affiche juste sous vos yeux, et vous voyez qu'on a entre autres du Jet Set Radio, ou encore du God of War avec un aspect un peu lithographique, artwork avec du Kratos, ou encore l'œil de Kratos qui observera tous vos amis sur le PlayStation Network. Côté thème, vous avez pas mal de thèmes liés à des jeux, comme du Batman Arkham Knight, du Jak and Dexter, du Street Fighter V, ou encore du Bloodborne, mais il y a aussi des thèmes dynamique, plutôt stylé, donc je vous invite à les découvrir si bien vous avez un abonnement PS Plus, mais auquel cas je suis pas sûr que vous resteriez sur cette vidéo, quoique, et à les découvrir par vous-même sur le PlayStation Store. Et bien mesdames, messieurs, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire côté nouveautés du PlayStation Plus du mois de juin. J'espère que le concept, en tout cas, de vous faire tenir au courant et de vous faire découvrir et bien des nouveautés chez Xbox comme chez PlayStation, faudra faire ça du côté de chez Nintendo, vous plaît. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si vous nous découvrez via cette vidéo, mais aussi activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo qui va débarquer sur la chaîne. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux, en l'occurrence Facebook, Twitter, Instagram, vous connaissez les bails, pour toujours plus d'actualités en temps réel, et on vous retrouve très vite sur la chaîne pour du contenu toujours plus informatif et toujours plus gaming. C'était Momo pour JVM, et comme d'habitude, prenez soin de vous, et je vous dis la bise. PlayStation.